Hello, ça va la famille? Merci Luxali. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour pour la dernière fois, j'espère, sur le grand Let's Play Rising Ruby. La team, elle est ici. Vous la voyez en 4K. Ok, Kling, Zubi, Snoopy, Kritoff, Snoop. Ça va être compliqué, mais on est là. On est là. On espère qu'on va pas perdre de Pokémon parce que je rappelle que la dernière fois, nous n'avons pas réussi à atteindre la ligue. Nous avons perdu contre l'ennemi juré numéro 1, Timmy et sa team de fous. Avec son Demeteros Incarnate. J'ai pas beaucoup XP mes Pokémon, ça va être très compliqué. J'ai fait tous les dresseurs du jeu. Donc maintenant c'est dans les mains de d'Arceus. Hein. Allez, alors je me suis pas encore posé la question de ce que j'allais mettre comme item. Au niveau des attaques, je pense que j'ai vraiment tout donné par contre. J'ai vraiment mis les meilleurs sets possibles. C'est compliqué de slot d'autres trucs honnêtement. Peut-être gonflette sur lui, ça pourrait être marrant. Je sais pas s'il peut apprendre d'autres trucs. En fait, le truc, c'est que j'ai forcément besoin d'un Pokémon avec force. Ah, je peux pas. D'où le câble. C'est pas si grave. Comme j'ai besoin d'avoir un Pokémon avec force pour atteindre Timmy, bah, c'est un peu le problème, quoi. Pour l'instant, on va rester comme ça. Et au niveau des objets. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à nos Pokémon? Eau mystique, c'est fort. Sur Choup. Ça c'est pas ouf. Les attaques de type glace c'est pas ouf. Nul. Bah j'ai que de la merde en fait. Pépite. Bah super. Les attaques de type combat sert à rien. Ah les restes. Les restes je peux les donner à Snoopy. Snoopy qui est clairement notre meilleur Pokémon. Merci Timmerman. Et ça, c'est les attaques spéciales. On peut donner ça. Ok. Booster les attaques de type plante. On peut donner ça à Ampiflore. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci, Misto. Merci, les gars. Et bientôt la maternelle, quoi. C'est gentil, Ino. Merci beaucoup. Merci, Yopit. Ah, peut-être que je peux donner des baies stylées en vrai. Y a pas une baie qui pourrait profiter à des Pokémon? Bof. Ah, super efficace de type glace. Très bien ça. À lui. Bon, après, il est niveau 60. Hein. À mon avis, il va se faire one shot par tous les trucs. Augmente l'attaque en cas de besoin. Pourquoi pas. Hein. En vrai, je pense que la Loomberry c'est le mieux, mais j'en ai pas. Un truc qui pourrait soigner la brûlure. J'ai ça. Ouais, j'ai ça. Befrev, c'est pas mal, je pense, sur Kling. Ah merde, non. Alors, pour ceux qui ont raté les attaques des Pokémon, franchement, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Le seul problème, c'est les niveaux, quoi. Ah oui, l'aimant, c'est bien, en vrai, parce que j'ai coup de jus aussi. Donc, on a OK avec plénitude, psychotonnerre, vibre obscur, plus attaque spéciale. Donc, ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal, en plus avec fouille qui permet de voir les items, ça fait toujours plaisir. On a, bon, malheureusement Kling qui a changement vitesse, éclair fou, lance écrou, mais la nature plus attaque spéciale. Donc ça c'est pas incroyable, on va pas se mentir, mais bon on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. On a Zubi qui a banque sonic plus attaque spéciale. Lui c'est vraiment un plutôt bon poké, en vrai, on est plutôt content. Mais assez bas niveau, c'est un peu le problème. Snoopy, c'est notre crack. Snoopy, si on perd Snoopy, bah je sais pas trop quoi vous dire, c'est ciao. Notre tank spécial, 250 de spé def, 194 attaque spé, acide armure pour booster la défense si besoin. Notre monstre, notre dieu, notre espoir. Ensuite, on a Kritoff qui n'apprend pas l'attaque de type poison physique, donc j'ai envie de mourir. Mais il a gros bisous, il a dans slam, il a Kuba, donc il a quand même largement de quoi faire des trucs. Honnêtement. Kritoff peut faire des trucs. Et on termine avec Choup. Choup plus attaque spéciale.
Donc Surf, Force, Aqua Jet, Crogivre. Bon, nature de merde, mais. Mais l'espoir de faire de grandes choses. Ça va être très compliqué. Et Kish, bah Kish, on pense à lui très fort. Kish, on pense à lui très très fort et j'espère qu'il nous écoute de là où il est. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait tous les dresseurs de la route victoire pour XP. Là, j'ai vraiment fait tous les dresseurs du jeu qui pouvaient donner de l'XP, donc je suis un peu deg. Mais on va pouvoir récupérer de l'XP contre Timmy, je pense. Hein. C'est déjà ça. Poste avant la loose dans 8 minutes. Bah, en vrai, contre Timmy, le truc, c'est que on se rappelle de ses sets et de ses Pokémon. Le gros problème, c'est Demeteros, mais je pense qu'avec notre Luplodocus, ça va pas être un vrai problème. Parce que... Il va pas réussir à fuir comme ça. Parce que... Bah parce qu'il a une défense spéciale de fou furieux, donc il pourra prendre normalement les attaques sans trop de soucis. Choup peut one-shot Lando. Ouais, mais Choup, le problème, c'est qu'il se fait one-shot aussi, je pense, non? En fait, je me rappelle plus. On avait vu quoi sur Lando? On avait vu éboulement, et c'est tout? On avait vu que éboulement? En fait, déjà, il faudrait regarder si on a un Pokémon qui peut se setup. Parce que le premier Pokémon, c'est quoi? C'est Brutalibri? De mémoire, Brutalibri, il avait quoi? Il avait... Aiguisage, champ canon, clonage, et je sais plus. Il y a peut-être moyen de se full setup dessus. Ah non, c'est pas Brutalibri, c'est comment il s'appelle, Mangriffe. C'est Mangriffe. Donc Mangriffe, en vrai, il y a peut-être moyen de se full setup dessus avec genre. Avec Klinklang. Vous en pensez quoi? Klinklang qui va sweep ou pas? Est-ce que Klinklang qui va sweep? Oh, j'ai pas Xenatrox pousse. Ouais, c'était le Mangriffe qui servait à rien là. Moi je pense qu'il y a moyen de se full setup. Hein. De toute façon, Timmy, on n'a plus aucun respect pour lui, il nous a tué. À partir du moment où il nous a tué, j'ai plus aucun respect pour lui. Il a tué Kish. Il a tué trop de Pokémon. Enfin, je sais plus si c'est lui qui a tué Kish. Non, je crois que c'est pas lui. C'est juste un moi qui misclique. Je sais plus si c'était dans ce fight. Bon, moi j'ai bien envie de passer niveau 74. Oh, je suis plus lent. Regardez les dégâts, regardez les dégâts. Oh, mais attendez, Snoopy, on peut lui mettre le... la Sauveste aussi. Ah, mais je crois que la Sauveste, elle est restée dans le PC. Attends, Lefto ou la Sauveste sur Snoopy? Ah ouais, après, j'ai Acide Armure. Mais la Sauveste, il faudrait que je la donne à quelqu'un, quand même. Attends, qui pourrait apprendre la Sauveste? Enfin, qui pourrait prendre la pose? Parce que le truc, c'est que j'ai quand même des attaques de statut. Enfin, de setup sur un peu tout le monde, quoi. Ultra laser. Je pense que je vais prendre ça. Hein. Ah, sur Musteflot. Mais Musteflot, il préfère l'eau mystique, je pense. Sur Bruivern, t'as pas vraiment d'item. Ouais, sur Bruivern, la veste de combat, c'est pas mal. J'avoue. J'avoue. Allez, on fera ça. Je crois que j'ai laissé dans le PC. Alors, pendant que j'étais en train d'XP, je me suis rendu compte que Okopi est une attaque qui réussit une fois sur 1000. Hein. C'est vraiment ridicule cette attaque. Bon, là, je vais vous dire que je me presse pas. Je tue les Pokémon que je croise parce que niveau XP, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que notre meilleur Pokémon, il a le niveau du pire Pokémon de la ligue. Ça va être une sacrée histoire. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais... Il apprend pas surf. Mais Plodocus, il apprend surf? Je sais même pas. Ça me paraît trop bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça. Ok, d'accord. Où est-ce que je dois aller déjà là? Ouais, c'est là. Tu vas arriver dans mon timide, t'auras plus de PP. Bon, bah là, j'utilise des accroupis, ça va. Sans, il faut qu'on arrive à battre Timmy sans Snoopy. Parce que Snoopy est trop fort, en fait. Snoopy, on doit montrer qu'on est capable de gagner sans lui. Parce que si à la ligue, on perd Snoopy, parce que ça va forcément arriver, on va forcément perdre des Pokémon. Il faut qu'on soit prêt psychologiquement. Il peut apprendre Okopi mais pas Surf. Bah, il y a une différence entre Okopi et Surf quand même.
Surf, c'est littéralement aller sur l'eau et surfer sur l'eau. Et Okroupi, c'est créer une vague. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Il peut apprendre surf. Ouais, bah on vient de le voir. Ouais. On vient de le voir. Ouais. Il peut clairement apprendre surf. Les gars, c'est moi le spécialiste Pokémon, ok? S'il vous plaît. C'est moi qui participe au quiz Pokémon, aux events Pokémon où il faut être le meilleur streamer Poké, au quiz Poké Culture, Ka Culture. C'est moi en fait. C'est pas vous. Je rappelle que j'ai quand même bac plus 9 de Poké. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien, bac plus 9. La musique de la route parfaite pour la hype, ouais. C'est clairement pas la musique la plus mémorable du jeu, mais c'est vrai qu'elle crée un peu de la hype quand même. En fait, c'est le genre de musique qu'on a tellement entendu 6 millions de fois, on sait plus trop ce qu'on en pense en fait. On sait plus trop, si on l'aime ou pas. Il y a une sorte de routine qui s'est créée. J'ai vraiment aucun souvenir qu'il y avait besoin de flash dans la route victoire originelle, ça a été rajouté. Je sais un peu où je dois aller. Par là? Oui. Ma musique préférée de la 3G? Bah, Ruby Omega, je dirais que c'est la musique de combat contre Max et Arthur, honnêtement. Yazinia aussi. Mais je pense que vraiment la musique de combat contre Max et Arthur, c'est du très très haut niveau. Il apprend surf, mais seulement en 8 et 9G. Ah bah ça va alors! Du coup c'est cool! Ça nous aide! Nice! Alors imaginez si j'étais tombé sur un Exagel Shiny pour la 14e fois. J'aimerais bien avoir Exagel Shiny quand même. On pourrait l'appeler Mr. Freeze 3. Est-ce que je fais le post-game? En vrai j'aimerais bien faire le post-game. Mais je sais pas si je le ferai dimanche soir. Je pense que je ferai ça peut-être en live plus chill. Voilà quoi. Il faut que je refasse d'autres concepts. Ok, bon, on lead quoi? Est-ce qu'on essaye de setup avec Kling? Je pense que ça peut être pas mal, hein. Super potion là sur. Sur OK. Kingclan qui va sweep, moi je pense. Hein. Le truc, c'est qu'on n'a pas vu toute sa team, on est d'accord hein. Si? Je sais plus. Sauvegarde. Allez, en plus, vous parlez comme si j'allais finir la game. Vous me mettez une pression de fou. Hé, hein. Hey, Red! Je me souviens de toi, j'ai humilié toute ton équipe. Je ne m'attendais pas à te voir. Bah si, je m'attendais vraiment à te voir, hein, bizarrement. Je suis sûr que tes Pokémon et toi avaient traversé de nombreuses épreuves jusqu'à présent. Un coup d'œil suffit pour voir que vous avez beaucoup progressé. Merci, Master Nuts. Cette fois, je ne perdrai pas! On va voir si tu perdras pas. On va voir ce que tu vas faire contre Kingclang. Je suis un spécialiste de Kingclang, putain. Timmy, le dresseur, veut se battre. Bon, on est d'accord qu'il a pas de quoi me toucher. Je suis pas fou. Je me rappelle plus, mais. Mais moi, il a genre aiguisage, clonage, il sert à rien, Poké. C'est un setup fooder. Changement en vitesse! Hein? Mais d'où il sort son lance-flamme? J'avais oublié ça. Bon, bah non, en fait. Si je me fais crit, je suis mort. Attendez, il m'a fait 88, donc 88 fois 1,5. Ouais, crit égale mort. Aïe 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 aïe. Tout le chat l'a dit. Bah oui, là, tout le chat l'a dit, ouais, clairement, hein, clairement. Bon, bah, je vais peut-être pas sweep avec Kling, hein. J'ai trop peur de me faire crit. Là, si je perds un Pokémon, c'est fin de game, donc. Non, peut-être que lui, par contre, il peut faire un truc, hein. Peut-être que, ok, si je tape des plénitudes. Au moyen. Je prends pas de risque, En plus, lancer crew, ça peut miss, donc c'était pas ouf comme technique. Il a la ceinture force. Ok. Ça, c'est pas mal en vrai de pouvoir regarder les items. Plénitude. Aiguisage. Voilà. Aiguise. Aiguise-toi.
Y a aucun problème. Ceinture force plus clonage, ouais, c'est... Ah, le random nuzlocke, hein. Après, c'est Timmy, genre... C'est pas le gardon le plus frais de la fromagerie, hein. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Vas-y, continue. Oh non, pas ça. Et... On s'est stabé, les dégâts. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on peut sweep. Je me rappelle plus du tout du reste de sa team. Je me rappelle plus du tout. Tu vas pas OS lance-argo. Ah mais oui, il y a un lance-argo. Mais pourquoi vous m'avez pas rappelé qu'il y avait un lance-argo? Est-ce que je one-shot lance-argo? Attends, la question c'est, est-ce que lance-argo, il peut toucher Sidérella? Bah ouais, mais le problème c'est que... Est-ce qu'il a de quoi me toucher? Je me rappelle plus. Mais en fait, tous ces Pokémon, ils me hint. Après, avec un peu de chance, il va pas envoyer lance-argo tout de suite. Bah, s'il envoie Lance-Argo tout de suite, c'est qu'il a de quoi me toucher. Parce qu'il envoie toujours un Pokémon qui a une attaque super efficace. Bon, au moins, je peux soigner mon Kling-Klang. C'est déjà ça. Je veux forcément te toucher, t'as bien stable. Oui, mais... Ouais. Tant qu'il me brûle pas avec Lance-Flamme, déjà, ce serait bien. Je sais même plus à combien de plénitude je suis là, faut que je regarde les PP. Il avait tête de fer et bec vrille. Ouais, de mémoire, il avait pas forcément de quoi me toucher. Là, j'ai fait 6 plénitudes, donc c'est bon. On va juste se soigner un peu. Oh, j'ai oublié d'acheter des potions. Oh, le con! Mais j'ai un job! C'est de pas oublier ça et j'ai oublié. Pas de brûlure. Ok, c'est parti. Bon, déjà, on fait du gros obscur, on n'a pas besoin de faire... Voilà, on fait attention à nos PP, quand même. On veut pas perdre de Pokémon, parce que là, si on se ramène avec la Ligue... Mais c'est quoi ces dégâts? Oh, ta grand-mère, sérieux, le coup critique. Putain, non. Bon, j'ai des LMME, mais... Oh, ça fait chier. Ça fait trop chier. Limonade, c'est combien? 80, parfait. Je bois une petite limonade si ça te dérange pas, mec. Pas de burn. Ok, c'est parti. C'est pas le moment. Pas de crit, pas de burn. Bro, c'est pas possible. Évidemment, au moment où je l'attaque. Et je co-critique alors que ça sert à rien. Non, mais j'en peux plus de ce jeu de merde. Oh là là. Ouais, il envoie Lance-Argo dans tous les cas. Ouais, niveau 70 le Lance-Argo. Non, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Après, peut-être il touche pas Kling. Le truc, c'est imagine, il a tué une liège. Hein. En plus, j'ai oublié de heal Kling. Lance-Argo, ça n'a pas une bonne spedef. Ouais, mais là, j'ai 8 levels de retard. Hein. Je pensais que je tue, là. En fait, j'ai une chance de flinch. Enfin, faut que je regarde le calque. Ça se trouve, il te dépasse. Mais attendez, Lance-Argo, c'est quoi en anglais? Escavalier? Contre Sidérella, Mesmerella. Non. Mesmerella? J'ai plus en anglais. T'es quand même à plus 6. Ouais, mais attends. C'est quoi le nom en anglais? Mesmerella, non? Gothitelle, oui. Comment j'ai oublié Gothitelle? Ok, alors attendez. Il est niveau 70. Moi, je suis niveau 62. Je suis à plus 1 milliard en attaque spéciale. T-Bolt, ça fait 138%. Mais ça, c'est je suis full levé, quoi. J'ai combien en... J'ai combien? J'ai 160. C'est pas beaucoup 160. Hein. J'ai 0 IV et 0 EV. Ah, super. C'est cool. Non, en vrai, j'exagère. J'ai 31 IV. Ouais, ok, donc je fais 111% si je suis full,
S'il est... Bah c'est, je le tue, là. Je le tue 100%, en fait. Mais imagine, il est full... je sais pas quoi. Imagine, une veste de combat. Et si je suis 0 vitesse, j'ai combien de vitesse? 102. Donc même s'il est full vitesse, il me dépasse pas. En plus, je suis lunette sage. C'est win, les gars. Ça tue. Est-ce que je fais fibre obscure pour encore plus de safeitude? Pour avoir la chance de finish derrière? Non, 98%. 98%, il y a écrit. Je ne prends pas le risque. Tonnerre, ça tue. Oui, on est plus rapide. Mais c'est bugué! Paralysie? Le tank? Yes! Mais c'est quoi ce bug? Mais il est sauvé, ce... Non, me dis pas qu'il a la veste de combat, je deviens fou, je pense. Non, c'est pas possible. Me dis pas qu'il a... Non, c'est trop grave. Bah attends, là, on est d'accord qu'il n'y a pas de priorité chelou. Il n'y a aucun risque. La brûlure, attendez, ça fait 26% ou pas? Combien ça fait la brûlure, là? Si je mets la sauveste, attends, je regarde. Ouais, c'est ça, il a la sauveste. Ça fait 22 PV. Vous êtes sûr, hein? Je meurs pas, là. Si je meurs, il y a beaucoup de permabans qui partent là. Dans la vraie run, Timmy a un Azumarill à Sauvest, donc c'est ça. Oh non, mais c'est pas possible. Je suis vraiment tombé sur Sauvest. C'est trop grave. Ok, maintenant on ne misclique pas. Guérison. Oui, utiliser. Ok. Je respire, je respire. Pas de coup critique. Non. Oui. Oui. Ok, on est plus rapide, on tue. Allez. Non. Non, pas de coup critique. Pas de coup critique. Yes. Yes. Allez. On avance. On avance. Tentacruel. Non, c'est cruel, y a pas de problème là. Tu vas pas me faire une dinguerie. Pas de coup critique. Ok. La technique du setup. Notre seule chance pour gagner la ligue dans tous les fights, ça va être ça. L'objectif, ça va être de faire ça à tous les fights. Et de prier. Non mais là, on s'en sort aussi parce que... Oh non. Faut qu'on se soigne là. Peur de lui. Là, on s'en sort parce qu'on connaît la team en vrai, mais imagine les prochains fights de la ligue, on connaîtra pas. Hein. Je veux pas acheter des vitesses plus. Non, non, pas ça, pas ça. Pas coup critique ultime. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Je dois switch. Je n'ai pas le choix. J'envoie Kritoff. Kritoff, full SD. Le combat des Ampiflores. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru que ces deux Pokémon se retrouveraient là? Non. Lui aussi, il setup. Ouais, moi, je suis un meilleur Ampiflore, je me setup. En vrai, tu me dirais, Ampiflore en strat, c'est joué avec croissance. Parce que c'est joué sous la sun. Ça va, tranquille, tranquille, tranquille. Il a que l'âme feuille pour nous toucher. Dans tous les cas, Ampiflore, il peut pas toucher Ampiflore. C'est connu. On va en mettre... 1 milliard des dents là, mon pote. Ça sent bon. Ça sent bon, cette histoire. Alors, attendez. Est-ce que vous pensez qu'on one-shot des Météros? Après, je pense pas qu'il me one-shot. Dans tous les cas, je suis niveau 69. Il sera plus haut niveau, mais... Fais gaffe qu'il révive pas Sludge Bomb. Après, je pense que si tu connais ta table des types, tu dois savoir que c'est pas très grave. Allez.
Kuba, regardez la puissance, la puissance. So nice, Adam. Ok. Météros le goat. Kuba. Non, mais non, mais comment il tank ça? Tank. Mais c'est broken. Mais comment il tank ça? Mais il a psycho en plus, Kritov. Oh là 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 là. Kritov. Ah, mais pourquoi il a un Uber ce mec? Ça risque. Il a psycho quoi, il a psycho le mec. Évidemment, j'aurais dû jouer safe. Pourquoi j'ai pas joué safe? Mais comment je pouvais m'y attendre aussi, on l'avait même pas vu là. Bon, heureusement, il nous reste des Pokémon de remplacement, mais. Ils sont niveau 40 les Pokémon de remplacement, ça va juste être des sacrifices. Je crois que je crois qu'il me reste que un Poké, c'est Dracaufeu. Pour le coup. Ouais, allez, Timmy qui fait durer le plaisir, c'est son dernier fight, après il redevient un PNJ qui sert à rien. Il a bien raison d'en profiter le mec. Enfin, je fais zéro les gars, mais pourquoi j'ai pas juste envoyé Snoopy? Je n'avais rien à craindre, rien à craindre. Ça fait trop mal. Tiens, j'ai plus qu'une hyper potion. Bon, là, il va falloir qu'on achète des items. Hein. Ça va être une catastrophe, sinon. Il a sheer force. Déméteros a sheer force? Mais non. Attendez, là, vous m'apprenez des choses. Il est type sol. Si, sol vol. Mais attendez, mais vous savez ça, vous? Je savais pas, moi. Ok. C'est bon. Pas de flinch en plus, parce que... Sheer force, toi-même, tu sais. Ok. On est bon. On a battu Timmy, même si on a perdu un frère. Kritov. On t'oubliera pas, Kritov. Zut de zut. Il vient d'éliminer quand même 7 de mes Pokémon. Et le mec me dit zut de zut. Bah super. Merci de ne pas avoir pris en pitié. Ouais. Pas merci à toi de ne pas avoir eu pitié. Une pierre. Oh bah super, je vais en faire quoi de ça? J'ai pas réussi à te battre, mais un jour, je vais m'entraîner. Mais en fait, tu comprends pas que si un jour tu me bats, bah on est comme dans Undertale en fait. Il y a un reset et on revient au point d'avant. Tu es condamné, tu es un PNJ. Tu ne peux pas gagner. C'est dans le lore en fait. Donc à chaque fois que tu vas me battre, il y aura un retour dans le passé. Ok. Bon. Oh, allez, un truc de fou. Pitié. Dracofit. Mais j'ai pas eu beaucoup de chance sur les items random quand même. Hein. Toutes les baies de merde que j'ai eues. Bon. Merci à toi, Kritov, pour ta performance. Enfin, toute l'XP que j'ai eue dans Kritov, j'aurais pu la donner sur quelqu'un d'autre. Déméteros. Toujours dit que c'était la version nulle de Déméteros. Bon. Il est pas mort, Vioque, on est d'accord. Hein. Je crois qu'il est pas mort non plus, Moumoute. Les Moumoute, ça va. Bon, la dernière chance, c'est Vioque. Mais Vioque. Bon, bref, quoi. Il est au 40, quoi. Peut-être qu'il va. On sait pas, peut-être qu'il va tanker les attaques. Bon, là, il faut qu'on regarde un petit peu. Vendre tous les items qui servent à rien. Genre ça. Bon, non, bah, tu me diras 10€, ça sert à rien. Ah, mais j'ai des potions max aussi. Pierre dure. 50$. Au mystique. Mais j'en ai pas déjà utilisé. Ah, je dois en avoir deux du coup. 50$, ça vaut pas le coup de toute façon. Ok. Bon, les hyperboles, on s'en fout maintenant. Faut qu'on les vendre. Kuba Ball, 500.
grosse racine. 100. Lettre ponte. Module cryo. Oh, ça se vend, ça? Il devrait se poser la question de ce que c'est, quand même. J'ai loupé quoi? Bah, on a déjà perdu un Pokémon. C'est dur, mais il faut l'accepter. Mais c'est dur, quand même. Mais il faut l'accepter. Oh, la pépite. Poképoupée. Tesson rouge. Pierre plante. Pierre aube. Merci Timmy pour les 1000 dollars. Ok. J'ai 67 000 euros. Qu'est-ce que je peux acheter avec ça? Master Ball. Oh, je peux pas acheter une Master Ball. Fais chier. Et on va acheter 4 guérisons. On va acheter 9 potions max. Ah, mais ils vendent pas des hyper potions? Bon, je vous demande pas grand chose quand même des hyper potions. Super, super l'ambiance. On va faire vol, hein. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut acheter? Oui, on peut acheter les Master Ball, mais c'est une. C'est... On rappelle qu'on ne joue pas à Ruby Omega, on joue à Rising Ruby, hein, qui est une version extrêmement difficile. Mais non, mais pourquoi je vais là? Il n'y a pas de shop ici. Le coup. Le coup. Mais... Voilà, les gars, on a perdu un Pokémon sur lequel je comptais beaucoup. Hein. C'était vraiment ma double résistance au type plante. Bon, maintenant on a Dracaufeu, tu me diras. C'est une double résistance au type plante aussi. Je veux pas acheter du heal pour les PP. Ouais, pour les PP, ce serait bien aussi. Mais je vais aller voir au centre commercial ce qu'ils ont. S'il n'y a pas au centre commercial, il n'y aura nulle part. Hein. Bonjour. C'est juste qu'en fait, je m'apprête à battre le plus grand défi du monde, là. Donc, vous auriez pas des trucs à vendre. Mais quoi? Attends, ça a reset. Je peux plus du tout acheter d'hyper potion maintenant. Oh non. Oh, c'est trop chiant, ça. Ah, c'est quoi cette idée de merde? J'ai jamais vu ça de ma vie. Qui a eu l'idée de mettre un truc pareil? En vrai. En vrai, si on est vraiment dans la merde. Ça, je veux bien, hein. Ça m'a l'air un peu stylé. Hein. Ah bon, on joue Lefto clonage Sidérella. Oh putain, il y avait direct toxique pour Kritoff. Allez, moi je dis on achète clonage, même si ça coûte cher. Avec les Lefto, ça peut être insane. Bon, je vais aller dans une des premières villes pour voir si je peux acheter des hyper potions. Ouais, j'ai vu qu'ils vendaient des écailleurs, mais j'ai déjà regardé toutes les attaques. J'ai déjà plein d'écailleurs d'ailleurs. Mais c'est vrai que d'ailleurs, oui, d'ailleurs, il faut que j'aille voir pour les attaques de Dracaufeu. Bien vu ça. Bah non, on ira voir dans le shop en même temps. Si t'arrives à lose avec ça, t'as un gros nulard. Oui, bah oui, c'est vrai qu'en random, c'est facile d'anticiper les trucs. Qui aurait cru qu'il allait avoir Psycho et qu'il allait one-shot mon Pokémon et qu'il allait tanker un coup bas à plus 6 surtout. Mais on est où là? Mon Dracaufeu, est-ce que t'as des trucs sympas? T'as pas genre connu bidon? Waouh. Ah, des choses. Bon, il sert à rien, super. Il a brouillard! Si un Pokémon peut apprendre brouillard, il peut tout apprendre. Il peut apprendre la vie. Merci Valval. Oui, les Pokémon en face sont full level. Ok. Putain, j'en reviens toujours pas de la sauveste sur le Pokémon. Bon, bah du coup là, on va à un endroit où il y a un shop parce que là, il y en a pas. Ah si, apparemment, il y en a un. What? Boutique Pokémon. Ah oui.
Putain, non mais en vrai, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo. No troll. Il m'empêche de pouvoir acheter des trucs plus petits. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est genre, ils ont complètement zappé. Je pense qu'ils ont juste zappé, hein. Incroyable. Bah, du coup, je suis dans la merde de fou, là. Je suis obligé d'acheter des potions max. Tout à l'heure, j'en ai 13, donc ça va. Oh. Oh là 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 là, ça va être dur. Ça va être si dur. Elle est où la meuf qui vend des laits meumeux, les gars? Bah non, on s'en fout pas des potions max. Si je veux heal genre 30 HP à un Pokémon, bah c'est chaud. Acheter des limonades. Ouais, mais c'est où les gars? Ça me sert à rien en fait, quand vous dites ça. Vermi là-bas. Nganou vs Krabagar qui gagne. Nganou. C'est qui? C'est le mec qui a perdu là? Attendez. C'est lui? Achète des plantes. Ça achète des plantes. C'est elle? Ah, c'est elle. Donne-moi 12! 6000 pour 12, mais très bien, très très bien. Merci Gipsa. Ça sert à quoi les racines d'énergie? En bas à droite. En bas à droite. Allô? Ah. Ah oui, c'est vraiment pas cher. Putain, mais si j'avais su, j'aurais acheté que ça. Putain, je suis deg. Bon, on a plus d'argent, les gars. C'est la fin. C'est la fin, on a plus d'argent. C'est maintenant ou jamais. Surtout, on a plus de PP, quoi. Ça va être dur. Hein. Oh. Oh, ça va être tellement dur. Ça va être tellement dur. Non mais les total soins, j'en ai 1 milliard, ça va. Bon. Oui, mais justement, moi je voulais des soins qui soignent pas trop d'HP parce que sinon, quand je veux heal des petits amounts, c'est pas ouf. Bon alors attends, des clonages. Il est temps de faire des fourberies là. Il est temps de faire des fourberies. Clonage. Lance-écrou. Changement vitesse. Et à la place de... Je sais pas trop, parce qu'en vrai, tonnerre c'est bien, mais c'est vrai que vivre obscur ça permet de toucher les ghosts. Ça permet de flinch aussi. Ouais, je sais pas trop, les gars. Je dirais que tonnerre c'est un peu moins bien quand même. Par contre, je me demande si on n'a pas envie de mettre les leftos à Cyderella plutôt. C'est peut-être mieux, non? Danse là, Dracofeu, super. Non, mais Dracofeu, de son, il sert à rien. Faut le dire. Objet, du coup, on va donner les restes à lui. Il va peut-être pouvoir arnaquer.
Le truc, c'est qu'on peut pas donner la sauvette, c'est vraiment dommage, on peut pas donner la sauvette à Amplodocus, quoi. Qu'est-ce qu'on lui donne à Amplodocus? On lui donne le mystique pour faire plus de dégâts sur Okroupi. Ah bah non, lunettes sages, on peut lui donner lunettes sages, c'est bien sur, sur lui. En vrai, c'est encore mieux au final. Bon, les amis. Je pense qu'on est sur la pire team de Nuzlocke ever. Je pense que là, ça va être difficile de faire pire. Je vais quand même donner un item à Dracofeu, ce qui me fait de la peine. Je vais y donner la brasse égalite. Il aura peut-être l'illusion qu'il peut méga évoluer, je sais pas. Je sais pas, les gars. Ok. Ça va être très chaud. Ah oui, non, mais là, en termes de niveau, c'est une catastrophe. Là, il faut qu'on prie pour pas avoir trop de malchance, en fait. À votre avis, c'est quoi notre meilleur lead? Remets tonnerre, Red. Mais j'ai tonnerre. En fait, vous regardez pas le live, hein, c'est bien compris. Je crois que le shop c'est le même que tous les autres shops. Justement, en fait, quand t'atteins un certain moment dans l'histoire, tous les shops ont le même truc. Je pense que c'est pas un bug, mais ça a été voulu. Ils ont oublié de pouvoir modifier, quoi. Parce que en fait, ça scale, mais sans retour en arrière, quoi. Allez, les amis, c'est maintenant. Plus de retour en arrière possible. On a plus de Pokémon, on a plus d'espoir, on a plus rien. C'est notre seule chance, c'est le copium. C'est l'espoir, c'est la vie. N'oublie pas de mettre l'aimant sur Kling. Il y a quoi actuellement Kling? Ah oui, c'est de la merde. Du coup, qui a la sauveste? Bah personne. Ah non, faut que je donne la sauveste à Draco Vol, là. Je sais plus comment il s'appelle ce con. Bruiverne. Ok, par contre, je sais plus où elle est. Attends, elle doit être dans le PC, je pense. Et arranger les objets. Et voilà. J'oublierai pas ce que t'as fait pour nous, Azumarill. Quiche. Quiche. Attends, c'est qui le Pokémon à gauche de Quiche? Ah, il s'est fait un bizarre, mais il est mort aussi. Mais... Allez, on est bon. Récupère le rookie et le mettre. Attendez, on a un casque brut? Mais non. Parce que casque brut, c'est insane sur Dracofeu. Par contre, ça peut peut-être nous sauver. Hein. Mais oui, Dracofeu qui aura peut-être un impact dans les games, du coup. Let's go! Ça, c'est big. Ça, c'est très, très big. Allez, c'est parti. Dresseur, permets-moi de vérifier tes badges. Dresseur, compte tes Pokémon. Courage. J'ai combien d'argent, là? J'ai 680. Écoutez, les gars. On sait jamais ce qui peut se passer. Je veux, à la fin, avoir 0 euros. Quitte à tout vendre. Qui a besoin de max repousse quand on est à la ligue? Qui a besoin de 5 honor ball? Merci Samoud. Qui a besoin de ça? Qui a besoin de ça? Qui a besoin de ça? Qui a le droit? Bon, le mystique, j'ai envie de la garder, on sait jamais. Ok, 4780. Voilà, c'est ça, c'est de l'optimisation, les gars. Et avec ça, on achète quoi? On achète... On a pile assez pour acheter un guérison et une potion max. Il me reste 30$, je peux m'acheter un carambar. On peut acheter un truc avec 30$. Presque une Pokéball, dommage. C'est parti.
La porte qui se ferme, c'est terminé. Nous n'avons plus le choix, nous devons avancer maintenant. Les amis, j'ai peur. J'ai peur. Je veux pas perdre. Je vais tryhard s'il le faut. Je prendrai aucun risque. Le problème, c'est qu'à tout moment, il me sort un Pokémon qui se set up et c'est terminé. Hein. C'est quand même la ligue la plus stylée, hein, sans aucun doute. Je suis Damien du Conseil 4. Salut Damien. Bon, qu'est-ce qu'on lead? C'est quoi le truc opti à lead? Kling, c'est bien parce que tu peux te dire, ok, je me set up, j'ai quand même du staying power, je suis un type acier, donc en général, le type acier est fort contre tout. Je pense que Kling, c'est pas mal. Hein. Allez. Je sauvegarde au cas où ça bug. On est jamais trop prudent. T'as du courage de me regarder en face. Je sens qu'on va bien s'amuser. Bon, nous allons livrer un combat trépidant comme on peut voir Kitty, à la ligne Pokémon. Pas de légendaire de fou. On veut une ligue sympa et équitable. C'est tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est sympa, ça c'est équitable. Ok, Charmion, c'est bien ça pour ce full setup avec Kling-Klang. Pas de dinguerie. Je suis plus rapide, j'aurais pu faire que le nage. Qu'est-ce que t'as? Parasport. Ok, c'est pas grave du tout. On tape le clone. Vent violent. Non, pas ça. Ça fait si mal. Oh, on l'a confus. Il est life form. Je suis confus et je me ferai moins confus. Tour 1 de la ligue. On est obligé d'utiliser une guérison directe. Mais Miss! C'est quoi ces dégâts de fou? En vrai, il faut que je clone. Hein. Il y a forcément Miss à un moment. Oui! Ok. On se soigne. Miss. Putain, mais c'est pas violent, c'est... C'est constant violent. Est-ce que je reclone? En fait, le truc, c'est que je pense qu'il va toujours vouloir faire parasport tant que je serai pas sous clone. Je pense que l'IA, elle est codée comme ça. Il y a peut-être moyen d'en profiter. On va voir. Les amis, il y a moyen d'en profiter, les amis. Allez, go! Par contre, 100% de précision sur vent violent, faut peut-être qu'on arrête de rigoler, là. Oh, mais attends, mais faut que je fasse gaffe, j'ai que 10 pp de clonage. Merci, Fialtès. Oh, je vais peut-être le fou, là, hein. J'ai des baies pour les pépés. Ah! Oh, j'ai des baies mes pots et j'ai des huiles. J'ai des huiles max. J'ai des baies mes pots. Est-ce que je tue ou pas?
On est d'accord que Charmillon, il a pas un truc qui augmente la précision. Hein. Il a forcément miss à un moment. Non, non, ça sert à rien de le tuer, les gars. Je tryhard. Il a forcément miss. Ok. Un Simtao. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il vient de réussir 5 fois vent violent en 5 coups. De manière complètement aléatoire. Putain, c'est ridicule. Le problème, c'est que changement de vitesse aussi, j'ai peut-être envie d'en garder, quoi. Là, je pense qu'il faut que je le tue, hein. Ok. Ok. C'est very good, c'est very good. Pas de miss, pas de miss. On level up. Kling. Klang. Qui va? Sweep. Akaïta. Pas miss, hein. Ok. Je tue pas, je pense. Ça va. Oui, miss. Non. Alors attendez, est-ce que je tue avec... En vrai, j'ai les mains, je pense que oui. Ah. Alors attendez. C'est pas très random son truc là. Pourquoi il a une monoténèbre? Lancer crew c'est 100. Avec le stab 150. Et ça, c'est 90, mais j'ai l'élément. Je pense que je tue. Et je me fais harceler par des boules. C'est tellement risqué. Merci ce que dis. Parce que lancer crew, ça, ça peut miss, quoi. C'est combien la précision de lancer crew? Ouais, 85. Moi, je pense que je tue, là. Hein. Donc je calque, hein. Ça tue Imo. Pas convaincu que ça tue. Ah, tout le monde est d'accord sauf Gigus, donc j'ai envie de dire que c'est bon, mais... Attends, les bagaïdes, c'est quoi en anglais? Dire qu'avant, je connaissais tout. Je connaissais tous les noms anglais. Maintenant, je suis finito. Scrafty. Contre Kinklang. J'ai fait combien? Je suis à plus 2. Lancer crew. Non mais en même temps, voilà, à un moment... Voilà, je ne peux plus faire de calque. On est en 2024, je ne peux plus faire de calque. Chaque attaque, je suis en mode, je sais plus. C'est impossible. C'est un cauchemar. Pourquoi ils ont inventé plusieurs langues? Si on parlait tous la même langue, ce serait quand même plus simple. Gear grind... A plus 2, on a fait combien? On a fait 80, je dirais. Il y a le magnet. White charge. Ouais, ça tue. Ça tue large. C'est impossible que ça tue pas. C'est impossible scientifiquement. Allez, Kling, montre-nous. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oula, j'ai failli faire le plus grand misclick de l'histoire. Ok.
Vioque, qui level up, let's go! Oh non, pas Eliatron. Bon, Eliatron, on est d'accord que j'ai pas besoin de faire clonage. Il va pas me faire une dinguerie, là. Après, il reste 3 Pokémon, je vais pas prendre de risque. Il fait feu. Mais c'est un feu ensorcelé, ce Pokémon! Parce que je pense pas que je le one shot là, si. Bon, je switch. Là. On a fait 3 kills, c'est bien. On envoie Snoopy maintenant. Non, mais je peux pas prendre le risque de miss. C'est le problème de lancer crew. Hein. Non, mais du coup, il va baisser mon attaque spéciale. Ah oui, c'est vrai que je me fais ensorceler bugger dans la rame, j'avoue. J'avais complètement oublié. Mon petit acide armure là ? On mange pas de pain. Hein. Mais vas-y, fais-toi plaisir, mon bro ! Ah, le jeu il s'est débugué tout seul. Ça marche pas depuis le début du jeu. Mais là il a dit, allez, franchement, j'en ai un peu marre, ça te dérange pas si je me débug ? Peut-être qu'il faut le taper plusieurs fois que ça marche. Oh bon, j'ai le poison, on va dire que c'est pas si bon. Faudrait pas le mettre en range de la guérison si possible. Ah. Non, fais chier, j'ai pas de chance. C'est pile assez pour qu'il utilise la guérison. Repoison ? Putain, il y a 30, c'est broken ! Bon, Zoubi. Faut que je fasse trop attention à mes PP en fait. Ouais, en fait, ça marche pas le premier coup, mais si tu le refais, ça marche. Non. Merci Fuel. C'est quoi ce Pokémon? C'est quoi cette merde? C'est bugué? Il est à Sauvest ou comment ça se passe? Mais quoi? Mais attendez, mais ils ont buffé Eliatron là. Ils l'ont buff. C'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi, ils ont buffé Eliatron. Pourquoi ils ont buffé Eliatron? Bon, ils se sont dit, tiens, ça va être marrant, on va buffer Eliatron. Hyper drôle, genre. Ça va, il n'y a que des attaques de merde. Ah! Ah, il devait être Specs. Ou Scarf. Mais du coup, il n'était pas à Sauvest. Il n'était pas à Sauvest, c'était juste un scandale. C'était juste un scandale. C'est quoi cette honte? J'aurais dû me soigner là. Et il lui reste 2 Poké. Nymphali. Ah mais mon Kling, il est pas à son prime là. Oh non, mais Nymphali contre ma team! Vioc, tu te sens ou pas? Faut que je remette Kling full life pour taper dans ses crew. Parce que lui, il a fait ensorceler. Attendez, il avait fait ensorceler ou pas en 6G? Go, ok. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Ah, vous avez l'air fou, mais je vous fais confiance. Ceinture force.
Oui, bah oui. Non, mais oui. Il tank. Easy. Easy. Il tank. Complètement dingue. Complètement taré. Complètement taré, le chat. Les mecs, ils connaissent pas Nymphalispex. Bon, Vioque, j'espère que tu tankes. Putain, mais c'est trop dur. Pitié tank. Oui, Vioque. Là, on a deux possibilités. Soit on fout le soin jusqu'à ce qu'il ait plus de PP. Mais on perd beaucoup d'items. Ou alors on sacrifie Vioque. Mais Vioque, bah, de le sacrifier dès le premier combat... Non mais il est pas Specs, mais vous connaissez pas Nymphali, c'est ce que je veux dire quoi. Nymphali à l'époque c'était joué Specs, c'est pas pour rien que c'était joué Specs à l'époque. De toute façon Vioque qui va servir à rien, on est d'accord. Putain mais la team de fou qui m'a sorti. C'est incroyable. Je suis fier de toi Vioque, t'as été utile. N'oublie jamais. T'as été utile mon frère. Ah non, tu mises pas. Ouais, d'accord. Juste pour le PP. Lui, il protège ses potes. Pas super. Ok, pas de miss. Ça tue, je pense. Non. Ok. Mais ta grand-mère, là-haut. C'est bon? Allez, le dernier. Kling a été extraordinaire cette game. Pas un truc de fou. Mais bro, il a une team complètement loresque. C'est quoi cette honte? Il a une mono ténèbre, le frérot. C'est Sensei. Complètement RP, le mec. C'est les Pokémon des abonnés, la Kling Klang contre Cacturne. Ah mon dieu. Je sais plus, je crois qu'il a des attaques combat. Mais... Le Sucker God. Moi que je meurs sur un crit, je vais pas prendre de risque. Nymphali ténèbres depuis. Mais les gars, attendez, ce soir vous êtes très premier degré quand même. Quand je dis mono ténèbres, je parle pas de tous les Pokémon, parce que oui, Charmillon n'est pas type ténèbres. Mais attendez, ce soir c'est bizarre là un peu l'ambiance, non? Les gars, quand je dis un truc, c'est pas 100% réel, faites gaffe. Bizarre là. Arrête d'utiliser des potions max quand t'as des LMME. Mais les LMME c'est ultra précieux les gars. Genre un LMME tu peux faire des trucs de fou avec. Milk check, des trucs de fou. Bon, on a déjà perdu un Pokémon. On s'est battu jusqu'au bout, ça a été très dur. Mais nous avons battu Damien. J'ai perdu, j'ai une chose à te dire. T'as ce qu'il faut pour continuer, tu me le dois. Va dans la prochaine salle, profite d'un beau combat. Là le problème c'est qu'on a plus de sacrifices. On a utilisé notre Joker. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Ah oui, c'est broken les MME. La folie. J'ai pas une BO rang nulle. Oh oui, j'ai des BO rang. Et encore Musteflotte. Musteflotte, les gars, no troll, vous allez voir qu'il va carry. Il va carry. Bon, on n'a plus que 5 Pokémon. Allez, on peut le faire. Enfin, imaginez si on avait eu une résistance à Mégaphone en la présence de... Kritoff. J'oublierai pas Kritoff. Allez.
J'ai des BMEPO, ouais, vous inquiétez pas. J'utilise pas tout de suite, je pense qu'on va jusqu'au bout des PP quand même. Ah, ça paraît si dur quand même. On a tellement galéré pour un fight. Comment on va faire? C'est mort. C'est mort de chez mort. Allez, j'y crois. Espoir est là. T'es déjà allé aussi loin dans un Nuzlocke? Oh bah oui, j'ai déjà réussi des Nuzlocke quand même. Même si on se souvient surtout des échecs. Je suis Spectra du Conseil 4. Ah, c'est vrai qu'on a plus le casque brut. Qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis entraîné au mémorial. Là-bas, j'ai appris à communier avec les Pokémon de type Spectre. On va voir si t'as vraiment les Pokémon de type Spectre. J'espère pas, c'est broken. Parce que le mec, il avait quand même 3 Pokémon de type Ténèbre. Hein. Le lien que j'ai créé avec eux est très étroit. Viens, on verra si t'arrives à infliger des dégâts à mes Pokémon. Tu savais qu'il y avait un fantôme? Oui, oui, on sait tous. Ils ont tout misé sur l'animation. Ok, alors niveau match-up, c'est pas le même la même chose que le premier match. C'est pas le même délire, quoi. Oh mon dieu. Bon, après, normalement, Snoopy est censé gérer Camerupt, normalement. S'il est bien spécial. Oh, il est physique, sérieux. Oh, la baisse de vitesse est chiante. Oh, vraiment, on est immortel là. Ok. Pas de crit. Oh, mais. C'est pas grave. On va y arriver. Séisme qui évidemment ne peut pas miss. Bah oui, ça serait trop facile. Allez, plus que 9 PP, on va y arriver. One shot. Ça c'est fait. Bon, c'est RP3G en tout cas. Bon, Snoopy, là t'es. Là, Snoopy, tout est dans tes mains. Là, tout est dans tes mains, Snoopy. Hein. J'ai peu. Non, c'est potion max là. Je crois que notre rôle, on prend un crit, on est mort. Hein, s'il est bien adaptabilité. Ouais. Bon, ça va ça. Enfin, je pense. Ok. Oh, tellement du XP, t'as dit. Et j'ai fait tous les combats du jeu, les gars. Je peux pas aller plus loin, là. Ah, j'aurais dû faire Cradovac. Ok, la guérison utilisée sur un Pokémon nul, c'est bien. J'ai tout misé sur un mort. Ah, ouais, tout. Ah, je ferais bien gaffe à pas perdre de Poké, du coup. Ah, putain, c'est dur, c'est dur. Cradovac, je pense qu'on aura forcément moins besoin. Miss. Pas de truc bizarre, pas de truc bizarre. Ok. Ok. Ligne niveau 70, ça c'est billet. Oh, pour Egon Z. On se soigne, on se soigne. Pas de triple attaque freeze. Non. Oh, j'étais mort sur un crit. C'est quoi ce Pokétou? C'est quoi ce Pokétou? Bon, Dracochoc.
mais c'est quoi? Comment ça, yo? Pitié. Pas de crit. Non, mais c'est quoi ce bloc? En vrai, il y a peut-être un monde où on tank un crit. Je perds trop de PP là. Oh! Oui! Oh, oui, oui, oui! Là, il est en range de Draco Choc. Oh putain, mais c'est quoi ce bug? Allez, tu. Oui! Snoopy, tu peux le faire! Non, mais ça, il a gradé à ma gueule! C'est quoi cette team encore? Bon, ça va, on a chopé une acide armure. Pas dans slam. Ah, c'est un peu relou ça. Ok, on mise pas au croupi, on mise pas. Putain, les PP ils sont en train de s'envoler. Miss. Non, pas de crit. Oh sa mère. Ok, poisseux. Pas de miss. Ok. 2 HKO. Ok. Guérison ou pas? Guérison. Nice. Pas de crit. Ouf. Ok, peut-être un moment où on qu'un crit. Crado vague, c'est safe. J'ai trop peur. Là, on tank jamais un crit. Ok, on est plus rapide. Ça tue. Oui. Ah, j'y rêve. Ça va. Là, je suis serein, tu vois. Là, il y a... Je revis. I'm living again. Pas la speed drop, par contre. Ça, je vis pas du tout. Je suis pas d'accord. Non mais qui? Qui a comme idée de me run down tout le temps dans des bars? Je perds des PP dans le vide là. Il peut me speed drop, j'ai aucun switching. Hein. Ok. J'ai plus de... Attends, est-ce qu'il est type spectre aussi ou pas du coup? J'imagine que oui, quand même. Non, mais bro, je fais zéro dégâts. Genre, je suis obligé de le. Mais lui aussi, il a fait follet. Non, mais. C'est si mal. Ok, là, il meurt, je pense. Pas de dinguerie. Meurs, je t'en supplie, allez. Oui. Comment on va faire pour finir le jeu avec les attaques qu'on a? Genre, c'est impossible. Bon, Colossinge, normalement, ok, c'est bon. Mais là, j'ai trop peur de poursuite. Non, impossible. Il n'y a pas poursuite, ce bug. Fouille. Ok, bah c'est Pig. Oh, let's go. On sait qu'il est lock. On est tellement serein. Oh
yes. Vas-y, balaye-moi. Balaye-moi, mon putain. Balaye-moi. Je te balaye en retour. Oh, putain. Putain, celui-là, on a été... c'était chaud. En vrai, le truc, c'est que on peut avoir l'impression que j'ai gagné facilement, mais on se rend pas compte que si je me prenais un crit, j'étais mort. Et si je perds le Clodocus, je perds le jeu. Donc là, c'est les moments ultra importants où, non seulement, si on perd Plodocus, c'est fini. Ah, vous m'avez compris, quoi. C'est quoi cette différence de niveau? Ah non, mais c'est ridicule, là. Mais ma team, c'est des bras cassés. Hein. Choupe niveau 68. Allez, c'est toujours ça. En plus, le lead horrible. Bon, en vrai, niveau PP, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Ça pourrait être pire. Ça pourrait vraiment être pire. Ok. Les meumeux là. J'utilise pas encore les PP max, je pense. Hein. Je pense que je grid encore un fight. Gros respect à Snoopy. Non mais là, ouais, sans Snoopy, c'est mort. Petit check des PP. Non, non, mais je sais ce que j'ai comme PP. Je pense que là, j'ai encore le droit à un fight et après, après je l'utilise. Le problème, c'est que nous, on level up bof, hein, et bah, les dresseurs en face, ils level up de fou, donc... Snoopy, là, il va commencer à être un peu en sauce. Allez. C'est parti. Allez, comme tout à l'heure, un free setup. T'as un combat contre Flora après Pierre. Ouais, mais enfin, on s'en fout. C'est pas vraiment la fin. Enfin, c'est après, quoi. Là, il se passe quoi si tu perds ce combat? Je sais même pas. Je suis glacial du conseil 4. J'ai fait le chemin jusqu'à Owen pour apprendre à mieux utiliser la glace. J'ai rencontré qu'ici que des réserves de Brigandrem. Il doit mériter le temps que tu t'accordes. Ouais, vas-y. Personnage, on l'a tous oublié, hein, franchement. Glacia, il s'appelle en plus. Même sur le nom, ils ont eu la flemme. Junko! Junko, le truc, c'est qu'il peut avoir des attaques pour toucher, mais... Ça fait pas si mal que ça, ça va. Ça va, ça va. Ah, le micro qui bug encore. Allo, allo. C'est mieux ou pas? Est-ce que je me re-setup? Je pense que oui. Hein. En fait, je trouve que le changement de vitesse, c'est chaud parce que tu te rends compte que t'as vraiment pas beaucoup de PP. Mais... Il faut utiliser au moins deux changements de vitesse pour faire des trucs. Parce que là, je pense pas à un coup critique me tue.
un peu. Ouais. Ah bah crit, bon, je pense pas que ça joue. Ok. Ah, oh, j'aurais peut-être dû faire cl... Ouais non, clonage, il a casse-brique dans tous les cas. Merci de celui. Je suis quand même à plus 2. Et j'ai l'aimant en plus. Ça devrait tuer, je pense. Ça serait vraiment bizarre, quoi. Alors, en vrai, c'est... je crois que ça passe le clone, ça. Ça, c'est pas mal, en vrai. Parce que du coup, on va garder notre clone quoi qu'il arrive. C'est ça qu'on appelle être un ovni, monsieur, c'est ça. Ainsi que sur l'autre. Ah non. Ah, c'est que après, à travers Abri. Je savais pas. Ok. Je confonds avec revenant. Ah peut-être oui. Pour moi revenant et anti c'était la même attaque, c'est pour ça. Là, le truc, c'est qu'il me reste 4 pp de clonage. Hein. Manternel, on rappelle qu'il a déjà éliminé notre ectoplasma, j'oublierai jamais. Peut-être qu'on se heal juste vite fait pour voir. C'est quoi déjà sa racine? 200. Ah oui. Ok. C'est free win là. Même si on perd pas mal de PP. On a toujours pas mis ça. La team en face là c'est vraiment le axe inversé. Hein, genre, la pire team. Pire team du monde. On s'est tapé des dingueries les deux games d'avant mais là ça va. Ah mais c'est une monoplante. T'imagines? Dresseur de type glace qui est une monoplante. Le comble est quand même marrant. Là, il a pas utilisé de guérison depuis le début, on est d'accord. Hein. Fait chier en vrai le crit. Bah, le météo ça existait pas, je crois, à l'époque. Si ? Ça me dit rien. Ça existait ? Sérieux ? Merde. Bande de nuls. Bande de nuls, le chat, c'est grave. Oh, vous connaissez rien, en fait. C'est ça votre problème, je pense. En vrai, pour moi, c'est votre problème principal, c'est que vous connaissez rien. Bon, par contre, 4 lancers crew. Bon, je tue même pas. Ok. En vrai, c'est un peu drôle quand même. La monoplante qui est sortie contre un Kling Klang Lead. On est encore en vie, les gars. On est encore en vie. On y croit. Que deux combats. Ça fait mal au ventre. C'est ultra violent.
Est-ce que j'ai un truc pour la part? Non. Bon, après les total soins, il me reste vraiment beaucoup, je crois. Les meumeux ou pas? Ouais. Bon, là par contre, niveau PP, c'est chaud. Là, je pense qu'on va devoir. Soit on lead pas le lance-écrou. Non, mais on n'a pas le choix là. Et on met ça sur quoi en fait? C'est ça le truc. Sur lance-écrou? Parce qu'après, il nous en reste plus que deux. Hein. Allez. Allez, let's go. Ce combat absolument maudit. À chaque fois que j'ai joué contre ce mec, dans tous les Nuzlocke de l'histoire, il m'a refait le cul. Il dégoûte. Mais du coup, vu comment ça se passe la ligue, là, il va me sortir une mono-plante. Non, une mono-glace. Il va me sortir une mono-glace. Non. Il va me sortir une mono... Ouais, en fait, le problème, c'est que le type dragon, il est super efficace contre le type dragon. Donc, mono-dragon. Du coup, la théorie marche plus, là. J'ai un mauvais feeling pour celui-là au niveau du lead. Vas-y, on va voir. On va voir si t'es un mec avec des bons feelings. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de légendaires. On s'en sort bien. Je suis le dernier du conseil 4. Aragon, le maître dragon. À l'état naturel, les Pokémon sont des créatures sauvages. Ils sont libres. Parfois, ils nous font obstacle. Parfois, ils nous aident. Combattre en s'alliant avec les Pokémon, tu sais ce que ça représente. Tu sais ce qu'il faut y faire pour pas se rabaisser des baseuses. Le nombre de fois où j'ai lu ce dialogue en live depuis que je suis streamer. Bah attends, il y a plagiat là. Vous échangez des Pokémon entre vous? Putain, il avait un bon feeling au niveau du lead. Il avait un bon feeling. Alors par contre, Bagaïde contre moi, c'est chaud. Hein. Parce que mon switch-in type combat, bah... Hey. Oh sa mère... Faut que j'envoie Snoopy, mais... Ou alors j'envoie Zubi. Là, de toute façon, dans ce genre de situation, faut juste envoyer Snoopy et prier. En faisant un site d'armure. Ou alors je Terra Crystal. Après, c'est pas ouf de Terra en early, mais... Pour l'instant, Choup n'est toujours pas apparu. Tu me diras Zubi non plus, mais... En fait, j'aimerais bien juste go OK en me disant, au moins on voit son objet, quoi. Mais imagine, il fait genre sabotage. J'aimerais bien voir son objet. On va jouer safe, on va go Snoopy comme prévu. Oh mais non bébou, il est spécial. Oh bah alors ça. Oh par contre orbe vie. Ok, je suis plus rapide en plus, c'est big. Oh la queue. Oh la grosse queue. Oh ça va. Pff, je l'ai bien tanké. Oh non. Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai tellement mal. Dracochoc 5 pp. J'aurais peut-être dû re-acide armure, ouais. Non, c'est trop grave. Parce qu'en plus, ça a 75% de précision. Ah, c'est un scandale.
pur scandale. Il va guérison là, non? Mais bro! Oh, d'abord. Non, mais excuse-moi, je voudrais pas t'importuner, je voudrais. Non, mais dis-le-moi, y a pas de souci, frérot. Excuse-moi de. Oui, non, mais. My bad. Tiens, j'ai de moins en moins de potions max, hein. Je suis en train de stresser là. Ok, vas-y, refais des exploits forts, ça me plaît. Ça je kiffe. 100% de précision. Oh mais pépé, sérieux. Non mais c'est qui le mec? C'est Guillaume Tell? C'est quoi cette précision de dingo là? En plus on sait qu'il a pas la loupe hein. Bon ok, c'est déjà ça. Zubi niveau 64. Et là normalement je suis censé être à plus 1000 en défense. Mais non, il a fallu qu'il me chatte sa gueule. Que je go Kling en prion. Sinon je fais Draco Choc en mode je tank, tu vois. Sinon je me soigne. Mais je tank, mais. Ouais, il faut go Kling. T'es à plus 2. Mais imagine une crit, j'ai perdu le Nuzlocke. C'est ma star. En vrai, je pense qu'il faut qu'on se soigne. On fait les meumeux. Dans tous les cas, je tank. J'ai pile 100 HP à soigner en plus, donc ce serait dommage de pas le faire. Pas de dinguerie. Ok, mais j'ai trop de chat sur les attaques par contre. Parce qu'ils sont forcément obligés d'avoir un stab. J'ai pas de chat, c'est quoi ça? Mais en fait j'ai pas de chat parce que du coup je peux même pas faire acide armure. Non c'est trop de la honte là. Là ce problème c'est que je peux pas prendre le risque de me faire crit. En vrai, il va pas crit. Oui, bah oui, ça arrive jamais. En vrai, ça arrive jamais. Non, mais il y a pas de problème. Vous trouvez pas que depuis le début, en plus de la ligue, il y a pas eu beaucoup de crit? C'est bizarre, je trouve. Ça sent le crit. Regardez. Je suis trop fort. Je suis trop fort, je vous l'ai dit les gars. Je suis un génie. Oh putain. Oh je suis marrant. Oh yeah. Bon. En vrai c'est rassurant par contre, il m'a fait zéro dégâts j'ai l'impression là. Mais j'ai trop peur qu'il ait genre lance-flamme. En fait le problème de Dracolos c'est qu'il a trop de trucs. Il a vraiment trop de trucs. Est-ce que je re-switch out pour voir, genre sur OK? Parce que du coup, s'il tape que sur le spécial, en théorie, OK, il est pas mal. Hein. Mouchoir choix! Ça m'intéresse, ça. Putain, c'est trop bien fouillé.
Fouille, c'est trop bien. Là, le truc, c'est que je pense pas être en range d'incrit, mais là, on va commencer à être un peu en galère d'items. Ça va, ouais. Ça va. En fait, le truc, c'est qu'il nous reste qu'un fight derrière. Faut juste pas qu'il nous crit trop, quoi. Là, les leftos, ils vont être ultra utiles. C'est vrai que Dracolos, il a une très bonne attaque spéciale. C'est joué spécial, d'ailleurs, assez régulièrement. Le truc, c'est que j'ai les guérisons. J'ai quand même pas mal de trucs. J'ai même setup sur Klinklang plutôt. Ouais, c'était peut-être mieux. Après, le problème de Klinklang, c'est qu'on n'a pas assez de PP, quoi. Je peux pas me setup full avec Klinklang. J'ai pas assez de PP. Alors que la plénitude, j'en ai utilisé aucune depuis le début de la ligue. Donc c'est worse. Par contre, le problème, c'est qu'à un moment, il va peut-être faire lutte. Hein. On va cliquer un tonnerre pour briser sa multi-écaille. Et puis Klinklang, ouais, il prend quand même des vies. Je trouve fort. Est-ce que j'en profite pas pour soigner mes Pokémon? Peut-être mieux. Hein. Il reste combien de Poké? Il reste 4 Poké? Oh là 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 là, mais le tonnerre est le plus grand move de l'histoire. Je suis en train d'arnaquer la ligue, là, c'est un scandale. Ah non, ça va, mes Pokémon sont plutôt au HP en vrai. Je vais juste utiliser un Lemumeu sur Snoopy, parce que c'est quand même notre star. Après, le problème de Snoopy, c'est qu'il a plus de PP, quoi. Donc, même s'il est immortel, ah, il tank pas trop, quoi. Attends, mais là, est-ce que je peux pas cloner en vrai? Je pense pas mourir sous un clone, là. Voilà, c'est free win maintenant. C'est ciao et Pepito. Hein. Tout ça parce que je suis sûr qu'il est scarf. Allez, ça dégage. J'aurais peut-être dû me soigner avant de faire ça. La pyrène. Oh. Non, mais imagine, il a bourdon. Après, je suis à plus 1 milliard en speed, donc ça va, mais... Là, faut pas prendre de risque, on se soigne. Larcin. Qu'est-ce que tu caches sous ton larcin? Ça casse le clone, ça? Prends-toi ça. Non. Arrête! Attends, mais l'arcin, c'est pas censé voler l'objet? Ah, mais ça marche pas si le mec il a déjà un objet. Oh, let's go, la guérison. Ah, j'aurais dû cloner du coup là. Du coup, je récupère des HP, c'est pas mal. Les leftos, c'est vraiment. On a tellement eu de chat en vrai au niveau. On a eu zéro chat sur les items dans le jeu, mais alors les leftos par contre, ça a sauvé la game. Le pire, c'est que les leftos, je les ai trouvés au fond d'une grotte alors que j'avais pas du tout besoin d'y aller. Allez, choupe niveau 69. Ouah, niveau 75! J'ai 9 levels de retard. Je pense pas qu'un bout de feu, je le tanque vraiment de manière très agréable, non. Je suis obligé de switch. Hein. Snoopy, hein. Imagine la méga corne. Ah. Oh, c'est pas très inquiétant, ça.
Pour l'instant, tous nos Pokémon ont été incroyablement utiles. Vraiment. Surtout Mustaflotte, j'ai trop aimé le moment où... Et puis, en vrai, Bruivern, bah si. Là, quand il... Non. C'est quoi ça? Bon, après, il se fait un peu... il peut rien faire avec ses nitrocharges. Mais... Attends, il lui reste encore 3 Poké, merde! J'étais en train de me... J'étais en mode, c'est fini, là. Faut que je fasse gaffe, quand même. Pour l'instant, Vioc a été plus utile que 2 de nos Poké. Voilà! Ah, par contre, sans Muplodocus. Imaginez si en vrai on était tombé sur autre chose que Muplodocus au moment où on l'a capturé. Oh, l'enfer. Oh non, pas mon griffe. Il y a trop de dingueries sur ce poké. Bon, je vais utiliser Dracochoc dans tous les cas. On va utiliser une baie, je pense. On s'en fout. Autant les utiliser, les PP en fait. Oh sa mère! J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux là. Ma naissance, l'armée, la guerre, l'orphelinat, pff, j'ai tout vu. Oh putain. Le petit démenta pour le smile. Okay. Les gars, on y est. Le dernier fight. Pour l'instant, on y est au poil de cul. Pierre, tu peux pas nous faire ça. Oh putain, encore un crit! Ok, ne parlons pas trop vite. On se rappelle notre premier Nuzlocke sur Emerald Plus. On était arrivé. Random Emerald Plus. Dernier de combat contre Pierre Rochard. Non, c'était pas Pierre Rochard, c'était comment il s'appelait. Wallace. Il nous avait sorti pour roi. Full coup critique. On avait perdu au dernier Pokémon du dernier combat. J'oublierai jamais. Ça a été un traumatisme. Et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous... Nous avons grandi, nous avons changé, nous ne sommes plus la même personne. Nous allons juste gagner en légende. Et montrer au monde qu'un Nuzlocke, c'est avant tout de la persévérance, et de la joie, et de l'amitié. La famille, la fraternité, la liberté, l'ambiguïté. Tous les mots en T. Allez. Quel mérite tu as fait d'avoir tout fait si je ne passe pas la vie. Bon, là faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Bem et Po sur Snoopy, sur Dracochoc, sur changement vitesse. Je pense que c'est pas mal. Et du coup, Vilmax. Cradovag ou Croupi? Je crois qu'au Croupi, ça nous a plus servi que Cradovag. Cradovag au Croupi, Cradovag au Croupi. Merci les gars. Je note. Je pense que Croupi c'est mieux.
Ok. Allez, on se soigne maintenant. Les Meme Gaming. On a plus de les Meme après. Hein. Bon, au niveau des items, on est quand même pas trop mal. Ça va. On peut mieux faire. Enfin, on peut pas mieux faire. C'est quoi le truc qui manque? Ah oui, une baie au rang, il m'en reste. Oui, très important pour être full full life. C'est parfait. Ok, on lead toujours sur Kling, ça change pas. C'est parti. Allez, on y est presque. On a failli perdre Muplodocus à 14 HP près. Il faut être prudent. Il faut absolument se concentrer jusqu'au bout. Lead Musteflotte. En vrai, Lead Musteflotte, c'est du génie, là. C'est du génie de Lead Musteflotte. Mais oui. Comme ça, on est safe, tu vois. C'est évident. Bien sûr. Allez, Musteflotte. Tu peux, c'est ton moment de gloire. C'est un peu grand, quand même, hein, pour juste un mec. Regarde la prédit. Victoire, défaite. Ah oui. Ah, il y a des gens qui pensent que je vais perdre. Super, merci les gars. J'ai l'habitude que tout le monde soit contre moi. Mais aujourd'hui, je vais vous prouver que malgré les critiques, malgré les rageux, je reste le GOAT de Pokémon. Bienvenue, Raid. Je t'attendais. Mais dis-moi plutôt, qu'avez-vous vu ton équipe et toi au cours de ce périple? Ah bah, j'ai vu des choses, j'ai vu la mort. De très près. Voire même, je l'ai ressenti, je l'ai connu deux fois. Assez parlé, commençons. Tiens là. C'est parti. Pas de dinguerie. Oh, la dinguerie. Direct. Crogive au freeze, pitié. Pitié. Oui. Pas mal. Pitié, Choup. Pitié, Choup. Oui, tu tankes. T'es mon choup, t'es mon choup. Choup. Oh putain, ectoplasma. Mais c'est quoi ce type de fou? Il a oublié de Terra. Choup, il vient de gérer le Pokémon le plus dur du jeu, là. Non. Pas la para. Ok. C'est bien, c'est bien. Non. Pas de freeze. Ouais, ce. Nice. C'est fait zéro dégâts. Je passe à Acide Armure. Ok. Pas de crit, pas de crit. No crito. No crito. Yes. Il. Il nous reste pas beaucoup de choses, mais... Est-ce qu'on heal Choup? Est-ce que Choup, on y croit au light? Oh non, ballon, quoi. Pas de speed drop, pas de speed drop. Toujours plus. Ok, bon, une guérison utilisée. Oh, ça fait chier, putain. Comment je switch là-dessus?
J'aurais dû me heal en fait. Là, faut que je me heal, que je switch out, que je re-switch in. Putain, plus que 10 potions max. Pas de crit. Ok, ça va. Bon, là, faut que je switch. Zoubi. Moi, bah, imagine, il fait point glace. Rugo Snoopy. Putain, mais ça team de fou. Putain, pas de crit. Stoppy. C'est trop dur. Pourquoi ne pas avoir sac choupe? Mais bro, c'est des Pokémon, c'est ma famille en fait, genre. C'est grave ça. Vous comprenez rien au lien qu'on a tissé ensemble. Comment ça je sacrifie choupe? Vous avez pas vu ce qu'il a fait pour moi, Choup? Non, mais l'ingratitude du chat! C'est incroyable ce que j'entends là! Après ce qu'il vient de nous faire! Non, mais je n'en crois pas mes oreilles! Ça n'a pas été crité, on n'a pas été frisé. C'est très beau ce qui se passe. J'aime bien, j'aime beaucoup. Par contre là, niveau soin, on sent que c'est le dernier fight. Hein. Pas de speed drop, pas de speed drop, pas de speed drop. S'il te plaît. Ok. Pas miss au croupier. Oui. C'est vrai que j'ai les racines aussi. Bon, là je tue je pense, on a un peu marre. Ok. Allez, c'est quoi la prochaine dinguerie? Oh, encore pire! Mais c'est une mono-ingé le frérot là, il s'est pris pour raid. Un peu. 6 coups de boule. Ah, ça a pas beaucoup d'attaque ce bon. il va être déçu. Hein. Oh, la crado vague. Il m'en reste, je crois. Hein. Oh, il est orbe vie. Oh, il m'en reste. Nice. Lance. Hein. Oh, il fait mal. Ok, il a plus de guérison je crois là. C'est big ça. Tout ça pour un monsieur mime. J'ai peur d'aller... En vrai j'ai trop peur d'aller sur King parce que monsieur mime ça a quand même des trucs. Il est quand même orbe vie. Je suis pas sûr. Hein. Attends, il a reveal 3 moves. Ah, il va mourir de l'orbe vie s'il stop en fait. Autant faire acide armure. Je sais pas s'il meurt au prochain move. Bon, c'est vraiment le monsieur mime aléatoire qui a hint en full rundown. Ok, pas de flinch. Non. Oh non, le lore. Le lore est complet! Pas lui! Pas lui, non! Il me trahit! Mais c'est une mono-ingé de fou! Il va méga. Non! Oui! Oh, j'ai peur. Imagine une crit giga impact. Oh, j'ai crit aussi! C'est bon, le crit a été utilisé, il peut même double crit. Non!
Carnage! Qu'est-ce que c'est que ce lore? Oh, mais. Le scénario incroyable! Prends pas de risque. Oh, j'aurais dû taper clone. Putain, je suis. Mais what? Non mais attendez, c'est quoi la proba là? Est-ce que je fais clonage pour voir? Ok. Si je mise pas, je le tue. Pitié. Bah le truc c'est que si je refais clonage, je pensais pas qu'il peut avoir bullet punch ou un truc comme ça. Là je pense que je tue hein. Pas de miss. Ok. Oui. Oui. Allez le dernier poké. Clink-clank qui va sweep. Clink-clank qui va sweep. Le lore jusqu'au bout. Le plus grand lore jamais inventé dans un Nuzlocke. Manier contrôle, c'est quoi ça? La dernière attaque pour le dernier fight? Manipule les champs magnétiques pour augmenter la défense, mais c'est... Mais on s'en branle, c'est de la grosse merde. Mais merci quand même d'avoir proposé. Mais merci quand même. Le dernier poké. Xatu. Xatu. Éclair fou. Clinklan qui va sweep. Peut-être. Nous l'avons fait, mais à quel prix? Nous avons perdu toute notre vie. Bravo! Yes! Mais attends, mais c'est le plus grand combat de l'histoire de Pokémon, là, je pense. Oh là là, trop d'émotions. Oh là 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 là. Quelle équipe, quelle équipe! Ils ont tous été incroyables. Choup, Vioc, et les autres, et les noms un peu de merde. Oh là 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 là. Par contre, du coup, le bilan que je me fais, c'est à quoi a servi Briverne? Il a fait des trucs ou pas, lui? En vrai, Choup, incroyable, parce que le Dracolos DD qui se setup, et on arrive à le tuer. Il nous aurait tellement sweep, il nous aurait tellement sweep. C'est vrai qu'il a tué Eliatron, ouais. Ah oui, il faut combattre Flora, ouais. Flora, c'est... C'est un spin-off.
Laurent, on va l'humilier. Là, en fait, c'est un combat qui n'est pas canon, parce que tous nos Pokémon sont morts, mais on va quand même pouvoir les utiliser grâce au pouvoir de l'amitié, mais c'est un rêve, en fait. Faut bien comprendre qu'on est dans un rêve. Un rêve où on a gardé nos Pokémon, tu vois. Ah non, mais le combat est... Là, c'est un best-of. En fait, faut faire un best-of ultime du live, là. Oh, la mono hyperbole, en plus, elle est magnifique. Vioque au Panthéon. Alors que ça aurait pu être... Ça aurait pu être Kish. Ça aurait pu être Kritoff. Choup, premier au Panthéon. Choup, t'es incroyable. Snoopy, merci pour tout ce que t'as fait. Ok, t'as été incroyable. T'as été incroyable du début à la fin. Kling, oh là là, Kling. Je suis désolé. Mais Vioque, bah, t'as été là quand il fallait. Merci à vous, les gars. Merci à vous, les gars, pour tout ce que vous avez fait. Kling Klang, j'ai jamais douté. On rappelle que Kling Klang a la nature moins attaque plus attaque spéciale, hein, pour ceux qui se posent la question. C'était dur. Et pourquoi l'instant émotion, il est avec Flora, c'est avec Snoopy qu'il faut avoir là. Il faudrait Miplodocus à la place de Flora. Bon, on va imaginer que c'est Snoopy. Bon retour parmi nous. Snoopy. J'en avais rien d'autre à faire, alors je t'ai attendu. On a commencé ce voyage ensemble. Pas tout à fait, mais on pourrait rentrer ensemble aussi. Hihi. Allez, viens, Bourg en vol nous attend. T'as raison, Snoopy. Snoopy. Excusez-moi les émotions. Et voilà. Bravo à tous. C'est plutôt à Kish que t'aurais dû parler. Ouais, mais Kish, j'ai pas envie d'en parler. Kish, on n'oubliera pas les autres hein, qui ont été incroyables. Notre ectoplasma, bien sûr. Et tous les Pokémon du début. Notre petit Hérissandre, qui n'a pas fait long feu. C'est le cas de le dire, c'est un peu triste. Tous nos Pokémon qui ont été... Très 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 solide. Celebi a été incroyable, on n'oubliera jamais. Seb, mort. Sur un accident de route assez terrible. Clamiral. C'est dur. Dingus, bien sûr. Oui. Dingus. On en a eu des Pokémon qui nous. On a cru pouvaient faire partie de notre famille. Finalement, on finit avec Choup. Snoopy. En vrai, la mort de Snoopy, je suis dévasté. Non, mais par contre, la team de fin, elle est quand même extraordinaire. Le Roucarnage, Giga Impact qui me crit, mon Pokémon principal. Je n'en reviens toujours pas. Le dernier Pokémon qui a la ceinture force qui élimine mon meilleur Poké. Non, mais il y avait trop de trucs incroyables. J'en reviens toujours pas. J'aime pas trop le... Alors, je sais pas ce que c'est votre avis, mais j'aime pas trop le générique de Ruby Omega, moi. Par rapport au générique de Emerald, qui pour moi est le meilleur générique de toute la licence. J'aime pas trop le générique de Ruby Omega. Et d'ailleurs, quand je l'avais écouté la première fois, quand j'avais fini Ruby Omega, j'étais dégoûté, quoi. Parce que pour moi, c'était vraiment le générique d'Emerald et le meilleur générique, quoi. Ce sera quoi le prochain Let's Play? Je sais pas. Là, il y a d'autres concepts que j'aimerais bien faire revenir. Mais le prochain aspect, surtout, c'est le Soul Link qu'on fait avec Fildrong vendredi. Le Soul Link à partir de vendredi soir avec Fildrong sur Pokémon Bushido. Est-ce que tu vas faire l'épisode Delta? Je pense que je ferai l'épisode Delta, mais... Mais je le ferai pas dimanche prochain, je le ferai dans un live un peu chill, genre vendredi, enfin pas vendredi, mais genre un samedi, un jeudi, un truc comme ça. Bob a été grand. Bob a été très très grand, il nous a carry toute l'histoire. C'est lui en fait un peu la vraie star, hein, parce que Kish, ça a été le goat de substitution après le départ de Bob.
Non, non, je peux pas avoir ça, je peux pas avoir ça. Je peux pas avoir ça. Non, non, non. Seb Dingus. Je suis désolé. Qui les connaît? Eh oui, Bob, il a bien grandi. Il est passé de Roussil à Roussil moche, mais il était bien puissant à cette époque. Quand il a garé la reine là tout seul. Tu vas récupérer tous tes pokés préférés, même les morts, ou tu continues le Nuzlocke avec les survivants? Je pense que je ferai le post-game. Je ferai le post-game avec les Pokémon qu'on kiffe, ouais. En soi, le Nuzlocke, il s'arrête toujours à la fin du jeu. Quand il y a les crédits, c'est la fin. Bah, c'est vrai que j'ai jamais fait l'épisode Delta en live pour le coup. Jamais, jamais. Donc ce sera l'occasion de le faire en live. Alors, j'aurais bien aimé qu'ils mettent l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, c'est con. Ça aurait été drôle. Cabriolen. Ça aurait été très très drôle. Oh, Choup! Choup, il s'est fait retcon là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Choup n'a absolument pas participé à ça. Choup, il... Ouais, retcon total. Ah, lui, j'oublierai pas, hein, cet assassin. Finalement, Timmy, c'est le vrai antagoniste de l'histoire. Timmy, il a assassiné tous nos Pokémon. C'est lui l'antagoniste. Attendez, Kling est mort ou pas? Je me rappelle plus. Rassurez-moi, il est vivant, Kling. Je pourrais pas me le pardonner. Il est mort? Putain, tout le monde est mort en fait. Ah, il est mort sur Xatu comme un nul. Mais là, les gars, je me pose la question de si Roucarnage est encore mon Pokémon préféré après ce qu'il m'a fait. Hein. Executive Producer Satoshi Tajiri. Satoru Iwata. Ah, on sent que c'était longtemps quand même. Hein. Le combat final. La route 103, que de souvenirs. Tu te souviens de cet étang, c'est ici qu'on s'est affronté pour la première fois. Red, j'aimerais vérifier un truc. Allez, affronte-moi encore une fois. C'est parti. J'aimerais connaître l'étendue de tes pouvoirs. Peut-être que Viog va faire un kill, on sait pas. Imagine s'il avait mis une voix. Ça aurait été ultra stylé, je trouve. 6 Pokémon. Ah! Oh non. Oh non, c'est le lit des Choups! Bon, Viok, c'est vrai. Viok, tu connais la musique. Ah. Ok. Oula, oui, ok, d'accord. Ok, brouillard. Ok.
Flora qui est lead garde-voir et qui fait séduction, j'avoue que c'est un peu drôle quand même. Le jeu il fait pas assez implicite. Qui spam séduction en plus, qui veut pas s'arrêter. Hein. On dirait trop un combat automatisé. Mais attends, mais il est choice? C'est quoi ce choice qui est en train de... Oh non, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Attends, mais je switch King Clang et je switch... Je sweep, hein. King Clang qui va sweep, hein. Ah mais non, mais il est Herbe Flamme. Qu'est-ce qu'il fait? Séduction, c'est... What? Ça marche pas sur... Ah bah ça doit marcher que sur les Pokémon mâles. C'est connu. Ah bah voilà. Voix enjôleuse, ah bah décidément. En vrai là je pense qu'on peut pas faire plus lore que King Clang. Hein. Maintenant il est dans l'histoire de la chaîne à tout jamais. Hein. King Clang devient la mascotte officielle limite. Hein. Je vais peut-être le mettre sur le merc. Hein. Il est mort. Ah oui, mais là j'ai dit que c'était un rêve, les gars, vu que le jeu il est fini. Contre monocrit, hein, le mec. Enfin, la meuf. Plus que Néo, c'est Néo la vraie légende. Bah, Néo, si vous vous souvenez de Néo. Néo, c'est plus un traître, c'est plus Judas, hein, en réalité, Néo. Hein. Oh, ça me met tellement bien qu'il ait décidé de faire ça. Le premier Néo. Après, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde du chat aujourd'hui qui se rappelle de Néo. Mais... En gros, Néo, c'était mon starter. J'avais fait Embrouille Plus en random. J'étais tombé sur Vasilis en starter. Et en gros, le dernier combat final... Vasilis était mort, je sais plus comment, de manière assez terrible. Et le dernier combat du jeu contre justement Marc, il avait un Vasilis et le Vasilis m'a sweep. Ah merde. Je suis con là. Ah, je vais mettre King Clang en dernier truc. Ouais, bien vu. Bon bah voilà. J'espère que vous avez kiffé ce fight. Merci à Flora d'avoir partagé ce moment avec nous. On n'a toujours pas mis ce lance-écrou une seule fois d'ailleurs, je viens de capter. Le hypocéan guillotine, j'ai jamais autant ri de ma vie. Mais c'était un hypo, moi, c'était pas un hypocéan, si. En vrai, si vous pensez ne pas avoir de chance, vous regardez ce let's play, oui. Et je pense que... En vrai, tous mes let's play, que ce soit le premier épisode, enfin la première version de Renegade Platinum, la dernière version, la première version d'Emerald Plus, je pense que je suis l'homme le plus malchanceux de l'histoire de l'humanité, sans aucun doute. La deuxième, la troisième, la quatrième. D'ailleurs, j'ai joué Coupe du Monde BSS, aucun rapport, et j'ai gagné hier. Je sais pas si ça vous intéresse que je refasse une vidéo dessus. Je prends cher quand même. Oh. Le Kling Klang qui va sweep. Quoi? Mais c'est plus des flaisans, c'est deux flaisans là!
Je savais même pas que c'était possible. What? Je savais même pas que c'était possible d'avoir deux fois le même poké. Oh non, c'est enfer. Allez, King Kong. Ciao, mon pote. On se reverra. Crois-moi. Ciao, ciao. Bon, très beau fight. Elle s'est pris pour Red ou quoi? Oh merci Red, tu mérites bien ton titre de maître. Je préfère ça, ouais. J'ai rencontré plein de gens. Alors c'est marrant parce que nous, on n'a aucune preuve qu'elle a rencontré des gens en théorie. Hein. On l'a jamais vu parler à qui que ce soit à part nous. Enfin si, un random scientifique à un moment. Théoriquement, elle a peut-être zéro pote. Hein. Oh! Red, regarde! Qu'est-ce que c'est? Toujours plus! 6 milliards d'étoiles filantes! Ils peuvent pas juste en mettre une, faut qu'il y en ait 6 milliards en même temps. Pokémon Ruby Omega. Plutôt Rising Ruby, mais. Faut que je fasse un vœu. Je souhaite que la casette soit titulée au prochain match. Ok. Merci à The Pokémon Company et Game Freak. Tu l'as dit à voix haute, il se réalisera jamais. Non ! Alex ! Je ferai l'épisode Delta, mais pas ce soir. On fera ça la semaine prochaine. Pas dimanche, mais ouais. On rappelle que demain, j'adopte un chat. Donc peut-être que je vais avoir un peu moins de temps aussi. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé, je trouve que c'était très cool, tout s'est bien passé, il s'en est passé des choses en plus, c'était plein d'émotions, plein de plaisir. C'est quoi cette musique? Ah non mais c'est pas fini en fait. Ah depuis le début en fait, c'est un môme qui regardait la télé, t'imagines? Et oui, depuis le début ce n'était qu'une série. Best of du Let's Play. Bah, le problème de faire un best of du Let's Play, faudrait que j'engage un mec, hein, je vais pas vous mentir. Faire un best of complet du Let's Play, ça va me prendre beaucoup de temps. Promets-moi qu'on restera ton chat préféré. Je sais pas. Ça va dépendre. J'ai pas encore trop rencontré le chat. Alors. Moelleux. Mais. Pour la musique. Menteur. Ah! Menotte. Menotté. Oh! Let's go. Menotté. Allez, ciao les mecs. We'll be right back.
Putain, je voulais faire une blague de fou, mais j'ai complètement raté ma scène, je suis dégoûté. Du coup, la blague a échoué. Je suis dévasté. Ouais, on va se contenter de bruit de croûte.